We are pleased to have the participation of the journalist Junaid Ghana. We'd like to invite him to speak with us now here at the Speak Out. Ici, Junaid Ghana va parler, va prendre la parole maintenant comme journaliste. Mes chers amis, camarades, frères et sœurs, et tous les enfants, la troisième intifada est en marche. Les Palestiniens ont attendu patiemment et leur patience a été récompensée par des bombardements destructeurs et génocidaires. Maintenant, ils ont acculés, résisté à la désécration de leur lieu le plus sacré en Palestine, qui est la mosquée, le dôme du rocher à Jérusalem. Et cette intifada, la troisième, c'est ceux d'entre vous qui ont marché avec nous l'été dernier durant les bombardements sauvages et barbares de Gaza. Je l'avais déjà dit, la troisième intifada sera globale, sera international et universel. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et elle coïncide avec l'intervention de la Russie contre le Daesh, ici l'État islamique, appelez-le comme vous voudrez, en Syrie et en Irak. La vraie intervention, pas l'intervention fausse, prétendu des Occidentaux, qui d'ailleurs eux-mêmes ont formé, armé et utilisent le Daesh pour déstabiliser le Moyen-Orient et le monde musulman tout entier. Il se passe quelque chose d'extraordinaire au moment où nous nous parlons. Pendant 25 ans, depuis la fin de la guerre froide, en 1989, pour la première fois, le monde ne se contente pas d'assister impuissant aux ravages perpétrés par les pays de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN, qui sont aussi les pays riches de l'OCDE, parmi lesquels notre pays, le Canada. Pendant 25 ans, pensant qu'ils avaient gagné la guerre froide et qu'ils étaient les maîtres du monde, l'OTAN ravage le Moyen-Orient et l'Afrique. Et nous avons regardé tout cela en spectateurs impuissants. J'étais, moi, en 2003, reporter en Irak pour le journal La Presse. J'ai passé 3 mois de l'année 2003 en Irak, avant, pendant et après les bombardements. J'ai fait de grands reportages. J'ai vécu ce déchaînement de violence barbare qui détruit des États entiers, détruit des sociétés entières, détruit des cultures, détruit des peuples, divise les peuples. Élève des groupes contre des groupes pour fomenter ce qu'ils appellent la guerre civile, pour leur donner le prétexte d'intervenir. Mais pour la première fois, 25 ans plus tard, voilà que nous avons maintenant les Russes qui interviennent contre eux, contre leurs laquais, et qui sont soutenus par le peuple syrien, par le peuple irakien, par le peuple iranien, et ce que nos médias ne nous disent pas, par la Chine, parce qu'ils coordonnent avec les pays du BRICS, du mouvement des non-alignés, de l'organisation de coopération de Shanghai. On nous donne l'impression que les Russes agissent seuls. Les Russes ne sont pas aussi bêtes que les Américains. Et
C'est un tournant dans l'histoire du monde. Il y a un équilibre dominateur, hégémonique, qui a été maintenu par la force pendant 500 ans, qui est en train de basculer. Et la troisième intifada arrive dans ce contexte. Et moi, je fais un appel aux sionistes orthodoxes, aux partisans du gouvernement israélien, de se réveiller, d'avoir le courage de changer de camp, de passer, d'abandonner le camp des oppresseurs et des barbares, et de joindre le camp des humanistes et des humanitaires et de l'humanité. Il est plus que temps pour Israël, car son peuple lui-même est piégé dans cette démarche agressive et guerrière des pays de l'OTAN. Il est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Israéliens, de plus en plus, qui se joignent aux Palestiniens. Il y a eu une grande manifestation de solidarité avec cette troisième intifada à Tel Aviv il y a 3 ou 4 jours. Il y a des membres des communautés juives en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qui eux aussi s'en rendent compte et qui sont solidaires avec les Palestiniens, mais il est temps que le régime, la petite clique, l'élite idéologique qui dirige les destinées de l'État d'Israël, d'apprendre, de comprendre que ça ne sert à rien de blâmer les Palestiniens quand vous les occupez depuis 48 ans. Et vous les occupez, vous les expropriez, vous détruisez leurs maisons, vous assassinez leurs enfants, vous leur niez les services de base, de nourriture, d'alimentation, de médicaments, etc. Et vous pensez qu'ils vont rester seuls, sans réagir, vous vous trompez. Vive la Palestine! Vive la paix! Vive la justice! Il n'y aura pas de paix sans justice. Merci. Merci.